Bon allez, je vais au travail. On y va en gyro-roue. C'est parti. On va doucement, il y a des bus. Faut faire gaffe quand même. Il y a des piétons qui traversent n'importe comment. On sort de la gare. Il y a un peu de monde par ici pour faire gaffe, mais bon, pas grand monde. On va aller direction une zone industrielle. Je vais travailler. Il est 7h. 7h30, je pense. Ici, on passe sur le parking parce que sinon, faut soit sauter avec la roue, soit monter avec la poussée à la main sur le trottoir d'à côté. Donc, je préfère passer par le parking en faisant attention aux voitures. Même si la route est bien bien défoncée. Les gens qui te fixent. On a à peu près 2,5 km à faire. On va avoir 4 passages piétons à passer. Donc celui-là qui est un peu compliqué, mais les autres ça va tout seul. Comme j'ai dit, c'est une zone industrielle, donc pas mal de camions, des voitures qui font pas tellement attention. Donc là, on est vraiment vulnérable, faut vraiment faire attention. On regarde bien partout. Hop, c'est parti. J'ai les feux allumés. Parfait, comme ça on se fait bien voir. Enfin, il va falloir qu'on traverse ça là en face au niveau des voitures. Ça va être un peu compliqué sous le pont. Une voiture qui est juste à côté de moi. À traverser, ça va être compliqué. Dans les voitures, on va ralentir. On va rouler au ralenti juste le temps que les voitures passent pour pas les refaire peur. Hop, on se calme un peu pour le ralenti, il n'y a pas le choix. Ouais, j'aimerais bien que toutes les voitures passent là. Là je pose le pied à terre. On va s'accrocher à la rambarde 2 secondes. Et vas-y, fonce. Ok, on y va. Personne à gauche, personne à droite. Le trottoir qui est toujours un peu compliqué, surtout avec une main. Et doucement, faut donner un petit à-coup. Ça secoue un peu. Le pont qui est détruit. Et là, là on arrive. On va faire 1,5 km sur du lisse à peu près. Quasiment en ligne droite. Quand on est dans les Yvelines. Et voilà, c'est mon petit trajet journalier pour aller au travail. Je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo, vous présenter un peu ça. Enfin, je vous présente aussi la gyro-roue, parce que comme vous avez pu voir, elle n'est pas commune. Des petits trucs en plus. On va pas sur les côtés, mais elle est totalement pimpée. Bon, elle a eu quelques crashs depuis la dernière décoration, mais elle est quand même pas mal, elle est originale, je trouve. Je vous ferai toute une vidéo pour vous la montrer, vous expliquer comment j'avais fait. Je la referai certainement en vidéo vu que elle est pas mal abîmée, je vais bientôt repasser un coup, repeindre une partie, etc. Ouais, et puis je vous mettrai tout ce qu'il faut pour la faire comme moi en fait, tout ce que vous avez besoin de faire, d'utiliser. Là c'est relativement calme, pas trop de monde. Je sais que je suis à l'heure parce que j'arrive à peu près en même temps que le bus à l'arrêt. Faire super attention aux arrêts quand même, parce que ça. Les jeunes attendent le bus, ils sortent la tête 2 secondes voir si le bus arrive et là tu peux vite percuter quelqu'un ou te faire percuter et tomber. Voilà, là ça va, y'a personne, donc le bus il va tracer, c'est parfait.
Ah. Mais mercredi, il y a ce férié. Et ça fait plaisir. Hop. On va bientôt avoir le premier passage piéton à passer. Et là, c'est un peu plus sport. Fais attention, hein, parce que c'est une zone industrielle, il y a pas mal de camions qui déboîtent. Surtout au niveau à des petites entrées comme ça. Là, en fait, on passe plein d'entrées de divers entreprises qui sont posées ici. Il y a des voitures des fois qui sont garées un peu n'importe où. Hop, on passe à droite là, entre les poteaux. Hop, il y a quelqu'un qui déboîte sans les feux. Un super exemple. T'as pas de feu, mon gars. On est le matin, il n'y a pas de feu, c'est normal. Hein, le gars il va tourner à droite là. C'est ces gens-là qu'il faut faire attention parce qu'il y a un putain de croisement. Vous voyez pas parce que. Bon, j'ai pas une super caméra pour l'instant, mais. Là, une voiture peut. Elle dépasse pas pour une fois, c'est bien mise dans son allée. Bon, il y a un mec qui va me trouver. Il va se dire, putain, c'est qui ce gars qui se balade là en train de parler et tout. Moi j'ai pas lancé le logiciel pour savoir à quelle vitesse je roule, mais je lancerai peut-être la prochaine fois pour vous montrer au fur et à mesure. Je suis désolé, j'ai arrêté de parler, je voulais pas que ce soit bizarre. Ouh! J'étais un peu trop vite, la roue m'a retenu en arrière, elle m'a rebalancé. Le fameux tilt back qui. Et où je trouve aussi casse-gueule que si tu vas trop vite. Pourquoi il s'arrête lui sur la route? Oh là là, voilà les gens que j'aime pas. Qui se foutent au bord de la route, c'est pas si. Pourquoi ils vont déboîter, s'ils vont se garer, si. Qu'est-ce qu'ils foutent quoi? Putain, c'est pas un parking là. Hein. Je suis au sol là, c'est un peu abîmé. Ah, mais ça va. Ah ouais, y a pas trop de monde, y a pas de camion là ce matin. Je sais pas si c'est le changement d'heure qu'ils ont oublié de. Les mettre à l'heure à leur réveil, ils sont tous en retard, mais. Ouh, il y avait un beau trou là. Ah, merci! Toujours remercier les gens qui ralentissent pour me laisser passer. C'est cool! Voilà, après, j'ai fait une connerie, j'ai oublié de sortir mon badge là. Donc, sur la fin, il faudra que je coupe la vidéo pour sortir en roulant le badge et tout, pour perdre de temps. Ça va être une vidéo un peu courte ce matin, du coup. Pour une dizaine de minutes là. Là, c'est le deuxième passage, enfin le troisième passage piéton qu'on va passer. Faire doucement. Et bon, il n'y a personne. Personne à droite. Hop. Et voilà, on y va. Au niveau de la musique, c'est des musiques libres de droit. J'en ai une centaine sur le téléphone exprès pour pouvoir me balader. Parce que même quand je roule tout seul, sans vidéo, sans rien, je mets souvent des musiques libres de droit, comme ça il n'y a pas d'histoire. Donc il y a un peu de tout, c'est un peu de tous les styles. Je vous mettrai, si je me rappelle, les titres, mais il y a peu de chance, j'en ai beaucoup, donc c'est un peu à la lecture aléatoire. Il commence à avoir des bus. Véhicule auto-école. Ça, c'est chiant. Ah là, il tourne où lui? Il y a son clignotant. Il y a son clignotant, il tournait pas. Voilà, c'était très utile. Le petit vélo là qui tape une course. Ouais, si vous ne voulez pas rester trop longtemps au bord de la route. Hein. Ça c'est certain. Alors, on va arriver au niveau de Volvo. Derrière Volvo, je tourne à gauche, je passe le passage piéton et. Je traverse, j'ai y aura un petit bus qui sera sur le côté, qui tous les matins s'arrête là. Enfin, il croit que c'est une place de parking, je crois. Il s'arrête sur la route et parce qu'il est en avance, je pense, et il attend. On va passer à la zone de travaux aussi après. Et bon, j'espère que c'est terminé les travaux depuis, mais bon, sinon, un peu le bordel. Ah, le gars qui fait demi-tour. Qu'est-ce qu'il fout, putain? Il est en train de manœuvrer, il fait demi-tour le gars. Merci de me laisser passer. En même temps,
camion il a soufflé là. En même temps, bon, faire demi-tour en plein milieu, c'est pas normal quoi. C'est bien, le camion il passe avant, j'ai le temps largement d'y aller tranquille. Il y a déjà 10 minutes, j'espère que c'est pas trop long. Je sais pas trop si c'est mieux, si vous voulez tout voir le trajet, ou que je fasse des petits best-of, des moments un peu cons que je vois, des trucs un peu, des gens un peu débiles qui font un peu n'importe quoi sur la route. Là, faut être vachement prudent. Ah bah non, y a pas de bus ce matin. Ah, attention, personne qui tourne pour traverser. Et voilà. Donc il y a encore les travaux en face, on voit pas pour l'instant. Encore le pas, je vois juste le panneau. Enfin, je passe les travaux et là, je suis pas sûr que je pourrais filmer. Je vais peut-être devoir ranger le téléphone parce que c'est un peu dangereux. Et voilà, on va passer les travaux tranquille. Ensuite, on va passer par un petit chemin à la con. Vous allez voir que en zone industrielle, ils font pas beaucoup d'efforts sur les passages piétons. Ah, il y a le camion qui passe là. Non, je suis obligé d'aller sur la route, c'est ça le problème. C'est un peu le souci. Ah, les camions, j'aime pas trop parce que du coup, ça veut dire que souvent il y a des voitures qui roulent au ralenti derrière et j'aime pas trop me mélanger. Ouais, une voiture elle tourne à droite, c'est bon. On va traverser ce petit chemin de merde. Ok. J'ai oublié de rouler à gauche de la route. C'est une route en sens unique. Hein. Il y a un grand terre-plein central au milieu. Ouais, doucement, il va vérifier personne. Mais bon, ils sont loin. On dit merci parce qu'ils ont ralenti. Et voilà. Les trottoirs sont magnifiques ici. Donc, vous voyez, je passe à pas grand chose. Hein. Je suis ultra méfiant. Faut aller doucement, faut bien regarder le sol. C'est vrai, en gyro, on passe notre temps à dire il faut bien regarder devant, au loin, comme en voiture, où on veut aller, on tourne les épaules comme en roller. Mais là, non, sur ce genre de chemin, il faut regarder le sol, bêtement. On a l'air un peu con, mais il n'y a pas trop de choses, que c'est un peu dangereux. Voilà. On n'a pas les trottoirs parfaits pour circuler. Hop, la petite descente. Bon, allez jouer, c'est là. J'espère que vous avez passé un bon moment, puis je vous dis à la prochaine, peut-être à ce soir. Allez, ciao, bye bye.